Une fois de plus, Pierre Kibambiso Moïsa. La République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne entretiennent de bonnes relations séculaires d'amitié et de coopération que Londres envisage de renforcer. Propos du ministre britannique de l'Environnement et du Climat, Lord Bennion, au sorti de l'entretien qu'il venait d'avoir avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. We had a very good meeting. Like him very much. Ils ont eu une très bonne discussion avec le président. Il l'a trouvé très intelligent. C'est très important pour la Grande-Bretagne et aussi pour la stabilité de la région. Et là, ils ont aussi parlé de comment renforcer les relations entre la RDC et la Grande-Bretagne. Ils veulent la paix, ils veulent que la guerre se termine et ils vont utiliser tous les canaux de communication, premièrement au Conseil de sécurité des Nations Unies et au niveau de la région de Commonwealth, pour qu'on puisse vraiment mettre un accent sur la paix à l'est du pays et la paix pour les RDC. Le ministre britannique s'est dit satisfait des échanges qu'il a eus avec le président de la République. Nous allons aider la RDC à trouver une solution à la crise sécuritaire dans l'est du pays, a renchéri Lord Bayon. L'envoyé spécial du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat, Stéphanie Mbombo, et le haut représentant du chef de l'État, Serge Tshibangu, ont assisté à cette entrevue. Le contrat chinois, on en parle à présent. Après des négociations, le gouvernement représenté par les ministères des Finances, du Budget, des Mines et des Travaux Publics a procédé à la Cité de l'Union africaine devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la signature d'un avenant avec le représentant du groupement des entreprises chinoises pour un partenariat stratégique gagnant-gagnant. Kibambe Soumé. La Cité de l'Union africaine, précisément dans la grande salle des réunions du Conseil des ministres, c'est le cadre qui a abrité ce jeudi la cérémonie des signatures de l'avenant numéro 5 à la Convention des collaborations relatives au développement d'un projet minier et d'un projet d'infrastructure en République démocratique du Congo. Tout a commencé par une rencontre du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec les responsables du groupement d'entreprises chinoises, une rencontre à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement et les directeurs de cabinet du chef de l'État. Est intervenu ensuite l'événement tant attendu, à savoir la signature devant le président de la République, tour à tour de l'avenant à la convention de collaboration par le représentant du groupement des entreprises chinoises et les vice-ministres des Finances, Mme Onège Sélé, et du budget Élysée Bokoumouana, représentant leur titulaire empêché, la ministre des Mines Antoinette Samba et le ministre des Infrastructures et Travaux Publics Alexis Guizaro. Pour la petite histoire, le 22 avril 2008, l'État congolais avait conclu avec le groupe d'entreprises chinoises une convention de collaboration relative au développement d'un projet minier et des projets d'infrastructure à RDC, ultérieurement modifié et complété par 4 avenants. 15 ans après sa mise en œuvre, il a été mis en place sous l'impulsion du chef de l'État un cadre de renégociation conformément à l'esprit de la déclaration conjointe entre la République populaire de Chine et la République démocratique du Congo sur l'établissement d'une coopération globale et d'un partenariat stratégique avec comme objectif rétablir l'équilibre dans ces partenariats pour le rendre gagnant-gagnant. Parmi les points d'accord à la suite des renégociations, on note notamment le montant d'investissement pour les infrastructures en RDC de 7 milliards de dollars américains. Plusieurs personnalités ont assisté à la signature de l'avenant entre les membres du gouvernement et les groupements d'entreprises chinoises, parmi lesquels les ministres, l'inspecteur général des finances Jules Alinguete et quelques dirigeants d'entreprises. Merci bien. Les ministres chargés des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, et le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, André Wameso, ont livré leurs impressions après la signature de cet avenant. On les écoute. À l'avènement à la magistrature suprême du président Félix-Antoine Tshisekedi, il a plu à son excellence que de revisiter cet accord afin que cette convention soit gagnant-gagnant. Il a souhaité que l'on puisse rééquilibrer les choses et
aujourd'hui, au bout des négociations de quelques mois, nous avons abouti à cet avenant. Alors, quelles sont les dividendes de la République démocratique du Congo dans cet avenant? C'est que, en termes de chiffres, cet accord pour le domaine des infrastructures, qui bénéficiait d'à peu près 3,2 milliards de dollars, aujourd'hui, cet accord fait porter les dividendes de la République démocratique du Congo à peu près 7 milliards. Je voudrais, en termes de chiffres, vous dire que cela représente à peu près la construction de plus ou moins 5000 km de route qui vont s'ajouter dans notre espace national. Ça, c'est une première dividende. La deuxième dividende, c'est une dividende économique. Nous allons effectivement, pour la partie économique, obtenir des apports financiers, des contributions financières en termes de dividendes d'impôts. En ce qui nous concerne, parce que c'était le principal objectif qu'on recherchait, c'était les infrastructures. Quand le président est arrivé à la magistrature suprême, le constat qu'il a fait, c'était que notre économie était complètement désarticulée. Vous savez qu'on parle aujourd'hui d'intégration économique à l'africaine, mais quand vous regardez la République démocratique du Congo et vous comparez par rapport au fonctionnement de l'économie depuis l'époque coloniale, c'est que les zones de production étaient reliées aux zones de consommation et ensuite à la principale zone d'exportation qui est au fait l'embouchure du fleuve Congo et par les deux ports principaux qu'il y avait à l'époque, Matadi et Goma. Et notre économie a énormément souffert parce que toutes ces infrastructures ont été détruites, ce qui fait que nous avons sensiblement augmenté la production minière, mais l'évacuation de ces produits passe par des ports étrangers, Durban, Dar es Salaam, Mombasa. Donc, les infrastructures sont une clé pour le redéveloppement ou bien la relance économique de la RDC. Et en termes de chiffres, c'est l'équivalent de 324 millions de dollars par an pour les infrastructures, essentiellement routières. Ce sont des royalties supplémentaires pour la GECAMINE et pour l'État, équivalent de 24 millions de dollars chaque année. C'est le rééquilibrage des participations dans le barrage de Busanga. Vous savez que ce barrage de Busanga était la propriété du groupe d'entreprises chinoises à hauteur de 75%. L'État congolais en réalité n'avait que 10% et 15% revenait à un consortium privé. Et à la faveur de ces renégociations, l'État congolais passe à 40% et le groupe d'entreprises chinoises à 60%. On renforce le contrôle des activités de la SICOMINE par rapport à la gouvernance de la société où les Congolais n'avaient pratiquement pas un mot à dire. Aujourd'hui, la direction commerciale va dépendre d'un représentant qui viendra de la GECAMINE. On a créé deux postes supplémentaires de directeur financier adjoint, de directeur technique adjoint. Du réseau, ainsi que du côté congolais, aussi bien la production que les états financiers de l'entreprise. Et puis, dans cet avenant, l'on peut le remarquer, une nette amélioration dans le contrat sino-congolais qui vient de passer de 3,2 à 7 milliards en faveur de la République démocratique du Congo. Et puis, la générale de carrière et des mines, GECAMINE, elle va désormais commercialiser une partie de la production de la SICOMINE cette année déjà. Des avantages soulevés par le directeur général de l'agence de pilotage de collaboration et suivi des conventions lors d'une conférence de presse, Gaëtan Magalano pour des explications. Mesdames et messieurs de la presse. Dans ses premiers mots, le directeur général de l'agence de pilotage de coordination et du suivi de conventions de collaboration revient sur la cérémonie d'hier.
à la Cité de l'Union africaine. Il y a eu signature de l'avenant numéro 5 à la Convention sino-congolaise, la convention qui a consacré un projet minier pour le développement des infrastructures dans notre pays. Avant de louer l'engagement du président Félix Tshisekedi pour faire bénéficier à la RDC au maximum de ses contrats sino-congolais. Nous rendons un vibrant hommage pour sa vision altruiste, n'est-ce pas, de voir la convention revisitée pour un rééquilibrage au bénéfice de la République. Devant le chevalier de la plume du micro et de la caméra, Freddy Odichembo, lors de cette conférence de presse donnée l'économie du contrat renégocié, résumé en 5 points. Premier point, le montant dédié aux infrastructures est passé de 3 milliards américains à 7 milliards. Deuxième, c'est que actuellement, à l'heure actuelle, on ne procède plus à des endettements. Troisième grand avantage, c'est que désormais, il n'y aura plus un creux. Quatrième acquis, Busanga, 40%, le Congo, 60%, la partie chinoise. Le cinquième point, dans la Sicomine, la Gécamine aura maintenant une place à table. Aux questions de journalistes, réponses sont tardées. Il faut que le projet minier soit un moyen pour construire les infrastructures de la République démocratique du Congo. 7 milliards de dollars américains pour construire 6 000 km de route durant 15 ans en raison de 4 km par an. Une victoire pour le président Félix Tshisekedi qui a actionné le gendarme de finances publiques, l'inspection générale de finances, pour enquêter sur cette convention de collaboration qualifiée de contrat du siècle. Tout à fait autre chose. À présent, un caucus de députés du Haut-Tuélé est venu à la rencontre du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge à qui ils ont exposé le problème de la réhabilitation des ponts Kibali et Bomokandi dans la province du Haut-Tuélé. La célébration du 60e anniversaire de la disparition de la bienheureuse Anwarite Ningapeta était également au centre des discussions. Le chef du gouvernement a promis de s'impliquer pour des solutions idoines. Reportage. Des questions relatives à la réhabilitation des infrastructures routières, précisément de Pont Kibali et Bomokandi dans la province du Haut-Tuélé, et la commémoration des 60 ans de la disparition d'Anwarite Ningapeta ont mis, en présence du Premier ministre, le caucus des députés nationaux de cette province au cours d'une réunion présidée à l'immeuble intelligent le jeudi 14 mars 2024 par le chef du gouvernement congolais. Après avoir prêté oreille attentive aux doléances des élus nationaux et déjà bien informés de tout ce problème, lors de l'un des conseils de ministres des semaines dernières, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a rassuré, comme le confirme le lit national Geneviève Inagosi. En priorité, nous sommes venus voir Son Excellence Monsieur le Premier ministre pour lui soumettre toutes ces difficultés et demander, solliciter auprès de lui son implication pour soit la réhabilitation ou encore le renouvellement de tous ces ponts. Parce que vous savez, ce sont des ponts qui ont été construits depuis l'époque coloniale. Il y en a qui datent de depuis 1945, il y en a d'autres qui ont été construits en 1960 et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais été changés. Il y a aussi d'autres ponts, comme le pont Zoro, le pont Gada, le pont Kibali, cette fois-là à Dungu, qui sont également dans un état de dégradation très avancé. C'est tous ces problèmes que nous sommes venus poser au chef du gouvernement. Au sujet de la célébration des 60 ans de la disparition de la bienheureuse Anwarite Ningapeta, le Premier ministre a promis son implication. Nous avons également saisi cette opportunité pour présenter à Son Excellence Monsieur le Premier ministre les dossiers des 60 ans de la commémoration de la disparition de la bienheureuse Anwarite. Et comme vous le savez, c'est un catholique fervent pour que cette cérémonie ou encore cet événement soit vraiment commémoré à la dimension de ce qu'a été la bienheureuse Anwarite. Le gouvernement congolais reste engagé pour que tout ce problème trouve solution.
Et dans la province de l'Ituri, soucieux d'améliorer la qualité de la desserte en électricité dans la ville de Bounia et ses environs, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboyankachama, a dépêché une équipe mixte pour voir la faisabilité de retravailler la centrale hydroélectrique de Boudana. Reportage. La ville de Bounia, chef-lieu de la province territoriale, est tombée dans le noir pendant plusieurs mois où plus de 97% de la population n'a plus accès à l'électricité. Pour cause, la centrale hydroélectrique de Boudana, l'unique qui dessert la ville de Bounia et ses environs en électricité, est en évanouissement complet suite à la détérioration très avancée de la quasi-majorité des matériels et machines devenues vétustes. Une situation est posée à la population alors qu'un contrat entre la Socimo et Soutène Énergie avait été signé en vue de pallier à ces chaos, mais dont l'exécution des travaux souffre encore. Dieudonné Moulimouila, directeur de Soutène Énergie, déplore les faits. Bon, en fait, nous sommes venus regarder les matériels parce qu'il y a trop de cacophonie dans ce projet. Et nous devons mettre fin parce que la population de Bounia souffre. Moi, je suis là. Depuis que je suis arrivé là-bas, je n'ai pas même pas vu une ampoule qui s'allume. Tout est en noir. Mais nous devons songer à ça. Surtout cette population qui est en train de souffrir. Il y a des faux fuyards, il y a les gens qui racontent de n'importe quoi. Mais je crois que ce soit les DG de la Socimo, que ce soit nous, nous sommes prêts à démarrer ce projet. Et une partie du pays, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas l'électricité au moment que tout est là, que le projet puisse démarrer. Soucié du développement de l'Ituri et du bien-être de la population, les gouverneurs militaires de l'Ituri, les Naldoné Luboya Kachama a dépêché une équipe mixte composée de techniciens de la Socimo, de Green Tech Energy et du gouvernorat pour visiter des matériels que dispose Green Tech dans l'objectif de sortir la population de cette souffrance et électrifier toute la province de l'Ituri en mettant en application les contrats Green Tech Energy. Cette équipe mixte a fait des dessins sur terrain et a palpé du doigt la réalité, après quoi elle fera son rapport à qui de gloire pour au finish décider. En Ituri, toujours deux personnes sont mortes calcinées la nuit de mercredi 13 mars au site de déplacés de Kachou en territoire de Djougou. C'était à la suite d'un incendie non encore élucidé qui s'est déclaré à 19h heure locale. On dénombre également l'incendie de 19 cases. Regardez. Le retour de déplacés est observé dans certaines zones déjà sécurisées et consolidées par l'armée en territoire du Rumu et de Djougou grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire à cette période de l'état de siège. Des moyens logistiques ont été mis à contribution du côté de l'administration militaire pour faciliter ces retours volontaires, assistés et sécurisés de nombreuses populations. Pour le commandant des opérations et gouverneur de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kachuma Junior, la paix, rien que la paix. Un incendie dont l'origine reste inconnue se déclarait la nuit dernière au site du déplacé de Kachou, à 3 km du centre commercial de Katotou, en territoire de Djougou. Le président de la société civile du groupement Louvangiré, Lodi Louvangiré, qui livre l'information, avance un bilan de deux personnes calcinées, parmi lesquels un garçon et une fille et plusieurs cases parties à fumer. Il plaide pour une intervention humanitaire en faveur de ces personnes en détresse. Et au total, nous avons réquisitionné 10 cases complètement calcinées, avec 9 autres cases qui ont été détruites et d'autres qui ont été plutôt sauvées et les bandits qui devaient progresser. Nous en avons vraiment, nous déplorons vraiment que quelle case a fait la énième fois que c'est utilisé de connaître encore ces cas-là. Nous avions même alerté auparavant certaines organisations car là qui ne nous ont pas conquéré pour encore vraiment faire la situation là. Et surtout aussi aux leaders, voire même aux acteurs humanitaires, là, vraiment, c'est surtout pour lui qui, tout de même, est fait de passer la veille de match, pour lui qui se fait aussi à produire ces sites-là, comme on l'a fait hier. Pour rappel, le dernier cas en date remonte du mois dernier pour pallier définitivement à cette situation. Les groupes armés d'origine communautaire doivent cesser de s'entretuer et enterrer la hache de la guerre, souhait du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici à Kinshasa, 400 sinistrés ont été recensés lors des inondations du fleuve Congo. 150 viennent de bénéficier des tentes composées de deux chambres et un salon pour leur retour à domicile. Un don de Médecins sans frontières distribué par la Croix-Rouge. Joël Makeda.
Le fleuve Congo était sorti de son lit pour tout emporter. La cause de ce drame, les pluies diluviennes qui ont provoqué la montée des eaux du fleuve Congo avaient comme dommages collatéraux des maisons englouties dans les quartiers riverains de la commune de Limété. Un nombre important de ces sinistrés ont trouvé refuge au terrain Sango pendant 4 mois grâce à l'accueil des prêtres catholiques. Aujourd'hui, ces personnes ont reçu des tentes équipées de 2 chambres et un salon offertes par Médecins Sans Frontières, MSF, qui a également assuré l'accès à l'eau potable et l'aménagement des toilettes. Alors que MSF termine ses activités le 15 mars 2024, la Croix-Rouge, avec le soutien de l'ambassade de Belgique, a pris le relais en procédant à la distribution des tentes à un premier groupe de sinistrés considérés comme les plus vulnérables afin de faciliter un retour à domicile. En tant qu'auxiliaire de pouvoir public dans le domaine de secours humanitaire, nous lançons encore un cri d'alarme pour dire que tous les humanitaires qui ont des fonds, qui pensent qu'ils peuvent orienter aussi auprès des sinistrés, des inondations, les besoins sont énormes. Et c'est vrai qu'il y a la crise au niveau de l'Est, c'est vrai aussi qu'il y a le besoin dans d'autres parties du pays et le cas de Kinshasa qui a subi ces inondations. Plus de 400 sinistrés ont été recensés par les volontaires de la Croix-Rouge pour une vérification avant la distribution de ces tentes, marquant ainsi la fin de cette phase d'assistance aux populations affectées. Les prestataires de soins de santé de la division provinciale de santé ici à Kinshasa ont été formés sur le danger enregistré lors des avortements clandestins. Une formation assurée pendant 6 jours. La cérémonie de clôture a eu lieu en la salle Maïko au ministère de l'Intérieur. Toto Célestine Songo, reportage. Les prestataires des établissements des soins de santé de la division provinciale de la santé de Kinshasa ont été outillés pendant 6 jours sur le soin complet d'avortement centré sur la femme. En République démocratique du Congo, la santé de la mère et du nouveau-né reste une priorité pour le pays. Nul n'est sans ignorer que le taux de mortalité maternelle et néonatale est très élevé. Les femmes sont en train de mourir en voulant donner la vie. Raison pour laquelle le chef de l'État a institué la gratuité de la couverture santé universelle pour la femme et les soins apportés aux nouveau-nés. Intervenant à la clôture de cette formation, Dr Vicky Boutou, médecin coordonnateur provincial du programme national de la santé de la reproduction, a fourni quelques stratégies dont le plus important, ce sont la disponibilité des soins complets d'avortement centrés sur la femme ainsi que la sensibilisation des femmes et des jeunes filles sur le danger des avortements clandestins. Dans notre pays, un grand nombre d'avortements qui se déroulent dans la clandestinité par des moyens non sécurisés augmente aussi notre taux de mortalité maternelle. Et avec l'appui de notre partenaire AIPAS, il a disposé des moyens afin que nous puissions renforcer vos capacités sur la bonne prise en charge des femmes en cas d'avortement, afin que nous tous, nous puissions contribuer à l'amélioration de la santé de la mère et à la réduction de la mortalité maternelle dans notre pays et plus précisément dans notre ville province de Kinshasa. L'ONG AIPAS a été pour beaucoup dans l'encadrement de ses prestataires en soins, outre l'appui financier pour la réussite de cette formation, où elle a disposé les matériels adéquats pouvant permettre ses prestataires d'apporter assistance à toutes les femmes et les jeunes filles en danger. Et puis, en marge de la célébration des 70 ans de l'Université catholique de Louvain, sachez que 70 bourses d'études seront disponibles d'ici le mois d'août prochain pour les étudiants congolais. L'annonce a été faite au cours d'une conférence au centre Wallonie-Bruxelles. Bobette Ngalisamba, reportage. C'est une rencontre des alumni de l'Université catholique de Louvain avec une délégation venue de Belgique. Au programme de cette soirée du 14 mars, échange et conférence histoire de célébrer les 70 ans de leur alma mater et de l'UNIKIN. Le professeur Dédé Aliango est l'ambassadrice de l'Université catholique de Louvain à Kinshasa. Nous sommes là ce soir pour une rencontre qui réunit en fait tous les alumni de UC Louvain, donc les anciens diplômés de UC Louvain, donc l'Université catholique de Louvain et de KUL. À partir du mois d'août, 70 bourses d'études sont offertes
pour la jeune génération. Annonce d'un partenariat fait par l'administratif de l'UC Louvain. Les KLM et les UC Louvain sont venus à Kinshasa depuis hier pour célébrer à l'invitation de l'UNIKIN et de l'UCC les 70 ans de l'Université de Louvain, qui est un peu leur héritière, et pour annoncer à cette occasion-là un partenariat renouvelé entre les quatre institutions sœurs, l'UC Louvain, l'UNIKIN, l'UCC et la KU Leuven, et mettre en route un programme qui consiste à offrir 70 bourses pour 70 ans. Des retrouvailles étaient au rendez-vous de cette soirée. Il a été parmi les heureux sur la liste définitive des députés nationaux publiée par la Cour constitutionnelle. Il s'agit de Jean-Claude Massangou, élu de Malimbankoulou dans la province du Olomami, qui salue l'arrêt rendu par la Cour des cours. Cédric Enina. La Cour constitutionnelle a dit les droits et rien d'autre. Quelques jours après, les résultats définitifs des législatives vient de moments de gratitude et remerciements au fleuve Congo Hôtel. L'élu de Malimbankoulou dans le Olomami, Jean-Claude Massangou, a organisé une réception pour rendre grâce au Très-Haut et remercier ses compagnons de lutte de l'engagement pour le Congo qu'il dirige, y compris son regroupement politique. Une issue heureuse qu'il a tenu à partager avec les siens, notamment d'autres élus et cadres de l'ECO. Le chef de 2018 n'était pas facile à avaler et même à digérer. Et lorsque pour la deuxième fois, les rideaux de la série étaient tombés en janvier 2024 et que nous n'avons pas été retenus sur la liste des élus, certaines personnes nous ont rappelé les échecs du passé. Moi, je n'ai pas abandonné le combat car je n'avais qu'un seul genou par terre. Pour le secrétaire général de l'ECO, la Cour constitutionnelle a rendu justice. Nous estimons que notre pays a trouvé du répondant au sein surtout de l'Assemblée nationale où il va siéger. Certainement, il sera d'un grand apport à la nation. Du haut de son expérience dans les finances publiques, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo entame donc une nouvelle étape dans la gestion politique et communautaire. Avant de nous séparer, sachez que plus de 200 filles vulnérables dans la province du Grand Kasaï seront prises en charge dans la liste de frais académiques par le HCR. On en parle avec nos reporters de la RTNC Chikapa. À l'instar des provinces du Kasaï central et du Kasaï oriental, et en marge de la Journée internationale de la femme, la province du Kasaï a lancé ce jeudi 17 mars 2024 à Chikapa les programmes des bourses et des mentorats Zaïda Catalan, avec 53 candidates sélectionnées pour compléter la liste des 73 bénéficiaires au titre de la session 2023-2024 pour les Grands Kasaï. Monsieur Philippe Onana, chef du bureau de l'UNCR pour les Kasaï, a parlé des objectifs visés par ces programmes. Le programme de bourse Zaïda Catalan est destiné aux jeunes filles de la province ayant réussi à l'examen d'État et qui éprouvent des difficultés à poursuivre leurs études en raison de nombreux facteurs économiques et culturels. C'est donc à cette tâche titanesque que le bureau du HCR dans le Grand Kasaï s'est attelé depuis bientôt 3 ans. Financer toutes les études supérieures des jeunes filles kasaïennes, dont beaucoup seront demain de grandes avocates, des ingénieurs. Madame Denise Moulouka Mohandi, ministre provinciale du genre et représentante personnelle du gouverneur, qui a lancé officiellement cette cérémonie, a remercié l'UNHCR. Je tiens, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Dieudonné Péam Toutkôte, à remercier l'UNHCR, impliqué dans la promotion des droits des femmes. Mon
C'était plutôt le ministre provincial du genre de la province du Kasaï qui intensifie le calendrier des activités liées au mois de mars, mois dédié aux droits des femmes. Et puis nous allons revenir sur cette activité. Plus de 200 filles vulnérables dans la province du Grand Kasaï sont prises en charge dans le compte du HCR. Suivez cela dans ce reportage. Dans le but d'assurer les activités liées au mois de mars dédiées à la femme, Denise Moulukamo Andi, ministre provincial de genre, intensifie les calendriers des activités liées à la Journée internationale des droits de la femme. Cette journée qui a commencé par une marche pacifique partant de toutes les trois collines qui composent la ville du Tchikapa pour dénoncer les tueries, pillages des ressources naturelles et minérales, viols, violences causées aux Congolais et Congolais de l'Est de la République par les terroristes de M23 RDF avec l'appui du Rwanda. Denise Moulouka, affectueusement appelée maman sociale, a devant les autorités politico-administratives, militaires et policières, le responsable des confessions religieuses et les élus du peuple, le moment, jeunes et vieux, rappeler l'importance de cette journée et déclare son soutien indéfectible au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à toutes les institutions du pays. Nos hommages les plus déférents sont rendus à un fils, un bel homme du pays, un homme rempli de santé, Christ de Tchène, tu sais que lui est Mulumba, l'homme enterré à vie, Fatibé, pour la lutte qu'il met en faveur des femmes, pour leur promotion et la paix en République démocratique du Congo. Moulukamo Andi a demandé à la population de se réveiller afin de briser les silences, combattre l'ennemi, espérer demain pour que la femme congolaise se sente autonome. Et ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis à partir de Mayombe dans la province du Congo central. Merci à toute l'équipe qui a travaillé ce soir à la réalisation, Ramadan Poki, Nonon Mansekou. L'équipe technique était assurée par José Dimone Kene, Joseph Nzenzo Ndengele Bassosa. L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. Retrouvez à 20h Sandra Nyangitabou. Excellente suite de programme. Au revoir.